Bonsoir jeudi tout le monde, nous comptons rentrer la caillou dans le cadre de la quatrième sortie téléjournal là pour semaine ça, mais quelques points nous allons développer en dans journal ça. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, prend la parole jeudi, dans le cadre 73e Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Chef l'État haïtien renouvelé engagement devant peuple haïtien à la communauté internationale là, pour continuer à lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. Autorité aéroportuaire nationale AAN en tête collée à l'Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire avec BLTS organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ministère Commerce et Industrie a organisé deux jours d'information, jeudi 27 et vendredi 28 septembre, sous gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier du programme appui pour entrepreneuriat jeunesse. L'activité a rentré dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour accompagner jeunes. Notre point d'appui pour nous développer dans le journal SILA, nouveau directeur général administration générale douane, Romel Bell, annoncé jeudi à yon ensemble mezi pour combattre phénomène contrebande. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump n'a pas écarté possibilité pour le changer position sous nomination juge Brett Kavanaugh dans la Cour suprême après audition devant Sénat jeudi 27 septembre. Trois Américaines accusées Brett Kavanaugh comme quoi l'été agressé sexuellement dans l'époque yoté l'école. Pour ça, avec un pilote pour aller parler dans le téléjournal à Soya, mais nous prenons une première pause, nous tournons après avec plus de détails. L'autre fois, nous avons salué tout le monde et comme d'habitude, nous avons ouvert le journal là avec les prévisionnistes, nous, Wilner Polidor, qui prend le palais conditions temps. Merci Pasco, branché télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là en allant commencer à aller sous région Caraïbes avec l'océan Atlantique là. Nous avons Mazela qui plus ou moins sec et stable sous région Caraïbes là dont Haïti qui a vu un beau temps pour aujourd'hui. Nous avons un temps qui est ensoleillé sous majorité département yo, avec vent qui a venté aussi sous plusieurs départements par rapport avec Mazdia ça qui plus ou moins sec et stable sous pays d'Haïti, mais en soirée au cours de nuit, gagne une faible possibilité, bien dit, une faible possibilité pour gagner quelques averses isolées avec quelques coups d'orage, surtout sous tête monio. Là nous prend massif du nord, là nous prend chaîne des mateux, massif de la selle et massif de la haute, capable de gagner quelques convections sous tête monio, capable quelques activités la pluie en soirée au cours de nuit. Là, mais c'est vraiment des averses isolées et très légères sous zone Sayo. Pour capital avec zone qui avait nous avons capital aussi cap juillet de beau temps par rapport à Mazela qui plus ou moins sec et stable. Nous avons un temps qui est ensoleillé avec vent qui a soufflé sous capital avec zone qui environ et une température qui a monté jusqu'à 36 degrés Celsius. Je dis à la fait chaud sous capital avec zone qui environ et la descente en temps c'est 25 degrés. Nous demandons pour être capable non seulement consommer de l'eau et puis qui pète en duo pour être capable aussi consommer un peu de l'eau par rapport avec chaleur à cap qui recommence à augmenter sous capital avec zone qui en vie ou en lieu, mais toujours gagner possibilité pour gagner quelques avec isolé c'est en soirée au cours de nuit dans sous tête monio si tout sous relief mon la scène nous avons gagné quelques gouttes mais qui pas gagner les plaines pour la mer elle était agitée sous non seulement côte nord et côte sud pays d'Haïti par rapport avec vague qui toujours très haut mais pour golfe de la Gonave pas gagné trop souci et nous gagnons pas astronomique là sur la couche jeudi à 6h40 et la levée de matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous.
frère. Merci Wilner. Qu'on y a 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. C'est occasion pour le président de la République, là, Jovenel Moïse, mettre accent sur plusieurs points dans divers domaines qui paraissent importants pour Haïti. Chef l'État a attiré attention autorité sur une série d'engagements qui te prend pour aider les pays, parmi eux Haïti, fait face avec une lutte contre le réchauffement climatique. Là. Jovenel Moïse souligne Haïti pas produit gaz, pourtant l'ICE yon dans le pays qui subit plus conséquences gaz à effet de serre. L'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus pesantes pour l'humanité, se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien, les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable, en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avère indispensable. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. Force est de constater que les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents. Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des aftes du changement climatique devront se matérialiser. Chef l'État renouvelé engagement pour créer stabilité dans l'institution publique. Dans ce sens, il dit qu'il n'y a pas ménager aucun effort pour faire l'institution remplir la mission comme ça doit. Jovenel Moïse a profité pour te éclaircissement sous travail caravane changement qui visait mettre toutes ressources de l'État au service des populations haïtiennes. Il y a une stratégie qui permet d'adresser divers problèmes de population. Un extrait dans le micro TN. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable, propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Qu'il me suffise à cet égard de citer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti, qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire
et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Cependant, en dépit de ces avancées, force est donc de reconnaître que l'atonie de la croissance économique continue de peser lourdement sur la stratégie nationale de développement et de pérennisation de la paix. Le pays est en effet confronté à des défis interreliés et de grande ampleur. À cela s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles, le tremblement de terre de 2010, on se le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. À cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone Matthew, qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquence. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitoring Program conclu avec le Fonds monétaire international. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confronté à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers. Un discours dans la 73e session ordinaire Assemblée générale ONU, chef l'État haïtien renouvelé engagement devant peuple haïtien pour la communauté internationale là pour continuer mener une lutte sans prendre souffle contre la corruption dans le pays d'Haïti. Relancer le climat affaire, permettre la paix et la sécurité établie dans la société fait partie priorité chef l'État haïtien. Un extrait. Je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée et opiniâtre contre la corruption, sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains, qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche muni de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires. La relance des investissements publics et privés, porteurs de croissance et de création d'emplois, pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine.
Aucun pays pas qu'à faire développement durable s'il pas gain bon infrastructure dans divers domaines pour répondre à besoin population. Dans sens ça, président République d'Haïti à Jovenel Moïse cité montant cob pays a besoin dans divers domaines pour répondre à exigence liyo. Comme exemple, Haïti besoin 450 millions de dollars américains pour créer 15 000 salles classe pour faciliter 500 000 timoun qui poko jam prochime l'école bénéficier plein l'instruction. Nous suivions extrait. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable, sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'un million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. La construction de 14 centres germoplastes et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars en sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTAH en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. Nous avons quitté page 73e Assemblée générale de l'ONU pour nous dire responsable autorité nationale régulation secteur énergétique là ANARC va poursuivre jeudi 27 septembre là atelier travail sous rôle régulateur l'été tamé lundi 24 septembre qui sont passé. Atelier ça a cap duré 5 jours déroulé sous thème la corruption et les responsabilités d'un régulateur de marché de l'électricité en Haïti. Esaïe Aurelius Wilson Idoré. Atelier ça rassemble responsables d'une série d'entreprises qui travaillent dans production et commercialisation courant électrique en Haïti. Li permet yo gen information sous création et responsabilité régulataire dans question vente courant dans pays.
C'est la troisième séance formation Autorité nationale régulation secteur énergétique là organisée pour aider dans le développement secteur d'après directeur général Strictissa Evenson Calixte. Régulation, tarification et responsabilité régulataire, c'est ensemble thème qu'a traité pendant atelier ça. D'inviter tout acteur là venir comprendre qui mouvement pour le faire dans le secteur, puisque ce sont secteur qui ouvre. Il y a trois bagages fondamentales dans le secteur ouvri. Premier objectif ou bien premier rôle que un régulateur pour le gérer, c'est bail licence et octroyer des autorisations qui permettent de construire une centrale et construire un réseau de transport et vendre courant. Donc, régulateur, comme il y a un rôle de bail licence, donc nous avons fait premier module de formation sous octroi de licence, qui procédure généralement qu'un régulateur à travers le monde utilisé pour bail licence et qui procédure en assez en temps d'utiliser. Ensuite, nous avons fait une deuxième formation sous tarification. Ça, c'est un élément fondamental lié, parce que pas une entreprise qui a venu investir, si ou pas dit clairement comment on va recouvrir, comment on va rentrer, comment on investir. Donc, nous sommes là pour nous dégager les questions. Et ça, mais faut dire tout ça n'a fait là, li entrer en ligne droite avec programme gouvernement gagné pour mettre courant dans pays 24 sur 24. Et me rappeler tout le monde que programme ça a gagné plusieurs axes. Il y en a premier axe, c'est travail sur réseau régional. L'un des travail sur réseau régional, c'est rassurer que tout segment dans réseau régional avancé, c'est-à-dire segment génération production déjà avancé, segment réseau avancé et segment vente électricité avancé. Quelques participants saluent des massas d'après eux, cap aider à créer confiance sous marché ya, et puis aider le rentable pour investisseurs. Ils promettent pour collaborer avec responsable anasio pour avancement secteur énergétique là. Atelier travail ça qui commence lundi 24 septembre nan, a privé dans Boutli 28 septembre cap venir là. Il fait partie programme gouvernement haïtien pour bail population courant 24 sur 24 d'après Evenson Calix. Ministère Commerce et ak Industrie a organisé deux journées formation jeudi 27 et vendredi 28 septembre sur gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier programme appui pour entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ. Activité a rentré dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour l'accompagner jeune. Stéphanie Charles, Fresnel Toussaint pour plus de détails. Déjeuner formation ça rentrer dans cadre accompagnement pour appuyer et accompagner jeunes yo dans élaboration avec exécution projet yo gagné encourager au finaliser et puis normaliser produit yo journée formation ça yo qu'a réalisé pour jeunes dans 140 communes dans pays a aider au lancer propre activité yo d'après coordonnateur projet appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean avec PAPEJ la première année de l'entreprise que ce soit la patente la carte d'éducation professionnelle l'enregistrement au ministère du commerce c'est le ministère qui s'en charge c'est indispensable pour nous au niveau du PAPEJ que les bénéficiaires du programme nous formés c'est des entreprises qui peuvent faire face à accès au crédit on va qui est très rare en Haïti pour une fois des jeunes entrepreneurs dans toute commune dans le pays je rappelle qu'on a les 140 communes présentes ici des jeunes qui sont partout qui ont projet d'entreprise pour avoir accès à crédit en Haïti. Coordonnateur commission jeunesse là Rico Pierre lui bon côté parle fait qu'on est la pas Cyril tout bénéficiaire yo gain information nécessaire dans l'idée pour aider l'état dans moyen la baio pour gérer business yo. Ministère commerce et ministère finance en tête collé à commission de démêler yo comment Jean-Jacques aux jeunes qui présentaient puis bon projet yo joindre accompagnement nécessaire. Nous mettons campé business. Yo. En plus de ça, la Commission nationale jeune assure que tous les bénéficiaires ont participé à la formation pour arriver à joindre moyen pour faire ce business grandir. Et nous mettons ensemble avec le ministère ça, on a parlé de ministère finance, ministère commerce, pour organiser non seulement deux journées de formation, mais de l'autre formation qui va venir encore dans le prochain jour. Une façon pour aider à gérer les moyens l'État pour le mettre à disposition. Ministre Commerce, là, bat bravo pour l'équipe PAPEJ, là, qui d'après lui a travaillé pour créer plus de jeunes entrepreneurs dans le pays. Il promet bénéficiaires, a gagné accès à crédit et puis accompagnement technique. Ronel Gilles souhaitait bénéficiaires au succès et puis bail meilleur de eux-mêmes. Beaucoup de défis
se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Ministère Commerce et Industrie, dans tête collée avec le programme Appui Entrepreneuriat Jeunesse La Papège, a gagné pour mettre sous pied chaque 3 mois 300 nouveaux jeunes entreprises pour aider à créer travail dans le pays d'Haïti, d'après recommandation président de la République, Jovenel Moïse. Merci Fresnel Toussaint avec Stéphanie Charles. C'est sous reportage ça, on prend deuxième pause. Nous, dans le téléjournal à Soya, à déplacer les amis téléspectateurs. Nouveau directeur général administration douanelan Romel Bell annoncé jeudi 27 septembre nan yon ensemble mesures pour combattre phénomène contrebande lan. Directeur a parlé tout sou yon ensemble stratégie li pral mettre en place cap faciliter pi bon gestion nan niveau institution ça. Élisée Arcolo, Moïse Wilbridge pour yon reportage. Mission principale direction générale douane, c'est exiger importateurs yo payer l'état taxes qui permettent réalisation projet développement sociaux yo. Surtout contrôler qualité à quantité produit consommation qui importé en dans pays a. D'après directeur général douane nan, Romel Bell. Dans sens ça, li sollicite collaboration tout citoyen pour aider AGD atteindre objectif li. Mission nous c'est même dans cadre trois grandes missions que la douane gagne. Qui c'est première mission, ça c'est incontestable et incontesté, si ça nous déclare les missions fiscales. Mission fiscale. Mission fiscale là, qui ça veut dire, c'est bail César, ça pour César. Ça veut dire que les redevances fiscales, tout le monde qui vient pour payer, il faut qu'on paye. Ça c'est incontestable et incontesté, il faut qu'on paye. Et d'après Goumen, pour tout le monde payer, sort bien pour payer. Et c'est là, pays a des moyens pour ça président pays a été fait comme promesse pour un moyen que pour accomplir mission en tant que président de la République. Donc c'est ça. Deuxième mission c'est mission économique. Mission économique on veut dire donc les si par exemple des importateurs commandent des marchandises même côté même quantité, même nature, même qualité, ils sont supposés payer même gens. Contrebande, c'est une cause qui empêche le développement fait en d'un pays. Nouveau directeur général douane Port-au-Prince, Romel Bell, fait qu'on est administration l'emprunt le travail pour combattre phénomène ça, une façon pour contribuer à augmenter l'assiette fiscale là. C'est un bagage qui est aussi facile sous frontière. Dans le pays, tant que le pays d'Haïti, ou qu'a dit ou qu'a combattu à 100%, mais ou qu'a réduit. Et je dis à nous, c'est notre mission. Si nous pas arriver à la vérité totale là, même au pied de la vérité pour nous arriver. Et nous prenons ça nous dire. La douane, c'est un élément capital dans le développement pays. Parmi missions, c'est faire respecter à quoi qui s'y est. Dans le domaine commerce, sécuriser et faciliter commerce fait, protéger l'environnement et le patrimoine culturel là. Ministère intérieur fait toute case connaît yo doit déposer un projet qui évalué à 1 million goud dans ministère dans l'idée pour débloquer fonds section communal yo. Président commission intérieur chambre député a Deus Deronette exprimé satisfaction pour décision ça pendant le mandat toute case dégager yo pour yo déposer projet dans ministère pour faire travail développement dans section yo. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge.
Nous rencontrer la presse dans qualité nous comme président commission intérieure Chambaslan pour nous capable faire information et puis vite joindre toute casek qui dans pays à n'importe côté oyé par rapport à discussion nous été entamé par au niveau téléphone à ministre intérieur pour dans qui mesure nous était capable permettre gain en collaboration ministérielle pour l'agent qui alloué à section communale 1 million de gouttes que nous tout connaissons capable virer sous compte intérieur de préférence pour kazek yo même yo capable river faire dépôt projet yo non bref délai dans ministère intérieur et de là ministre là sorti note là il sorti une note qui mandait bien rapide pour tout kazek yo capable river déposer un petit projet qui environ 1 million de gouttes yo gain pour décaisser déposer li dans ministère intérieur et faire rapide joindre ça qui t'a gain en termes de consultation pour yo capable river porter en solution dans zone yo respectivement et c'est une décision nous estimer qui capable river faire kazek yo porter en sorte de amélioration dans plusieurs revendications yo gain dans pays puisque collectivité territoriale yo dans dernier temps dans exercice là yo était en crise notamment dans le département du Sud-Est, toute collectivité yo kazek yo t'a déposé quel les bureaux yo dans délégation et nous passer message ça son message capable arriver à apaiser yo un peu partout sur territoire géographique là. Notre point à développer, autorité aéroportière nationale AAN, en collaboration avec Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire avec BLTS, organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Conseiller en sécurité AAN, Henri Robert Marc Charles, expliquait c'est chaque deux l'année, direction AAN organisée. Genre de exercice simulation ça yo. Le reportage Sainte-Croix Paki avec Laurent Darly Jean-Jacques. Exercice simulation ça qui déroulait sous piraterie aérienne visait renforcer disposition sécurité dans espace aéroport et puis maîtriser quelques individus qui fait braquage, prend en otage passagers dans avion ou bien trafic drogue. Conseiller dans affaires sécurité AAN, ancien colonel Henri Robert Marchal, expliquait exercice simulation ça, c'est pour faciliter ou faire face à la réalité. C'est quoi un exercice de simulation? C'est une activité que nous sommes tenus de faire périodiquement, normalement d'après nos manuels. Nous devons en faire une à grande échelle chaque deux ans et chaque année une autour de la table. Et à chaque fois, un scénario différent. Et on a eu des accidents d'avion, on a eu des écrasements au sol. Et cette fois-ci, nous avons fait une prise d'otage. On est tenu de faire ce genre d'exercice parce que nous sommes un aéroport international. Et tout aéroport international à travers le monde, membre, tous les pays membres, des Nations Unies, donc de l'OACI, est tenu de faire cet exercice pour garantir la sécurité de la famille de l'aviation civile. Ancien colonel Henri Robert Marchal fait connaître des satisfaits pour réalisation exercice simulation sous piraterie aérienne. Pendant les remercier toute instance qui a participé à l'activité ça. Est-ce que nous satisfaits? Oui, nous satisfaits. Pourquoi ça nous satisfait? Parce que nous ouais que nos exercices de simulation tension qui existait, c'est pas tension ça qui pourrait exister si nous avons un exercice réel, la vie plus fort. Ok? Mais nous sentis tension quand même. Nous satisfaits parce que nous arrivons à maîtriser tension. Nous arrivons à faire un travail. Ouais, qui quantité de monde comme nous qui participait là-dedans, qui quantité d'entités. Nous arrivons à faire une bonne coordination. Là, nous satisfait. Mais pour nous, nous pouvons améliorer. Parce qu'il y a des mots ou dit qui interprétaient l'autre gens pour l'autre monde, l'autre formation. Parce que tout le monde a la même formation. Et c'est ça qui fait que, avant de nous faire ça, nous faisons pile exercice. Ou par contre, qui acte illicite qui a plus d'activité là-dedans? Qu'on y a son prise d'otage, qu'on époque c'était alerte à la bombe. Ouais.
Donc, bon, l'autre là, c'était avion qui a tombé tout le temps. Donc, nous pas qu'à. Et le par exemple, nous dit nous pour gagner un exercice de simulation. Nous pas dit qui ça lit. Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire, contrôle qualité, direction sûreté et sécurité, avec plusieurs unités spécialisées dans PNH là, t'es participé dans l'exercice simulation ça qui toujours organisé chaque deux l'année dans autorité aéroportuaire nationale. Organisation n'a fait ça capable à réaliser lundi 1er octobre Cap Vinila une conférence débat sous thème implication de la jeunesse dans sa communauté. Activité ça cap déroulé dans ville Port-de-Paix visé sensibiliser jeunes yo sous rôle yo dans société d'après président NSK John Lepierre. Nous proposer un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Lydie Dieudonné. Activité ça côté nous pour aller faire des distributions bagaille l'école pour tout le monde qui prend l'école des petits monde 4e année 3e année 5e année jusqu'à certificat. C'est pas seulement bagaille l'école nous pour le bailler parce que c'est nous capable bailler bagaille l'école mais en réalité faut que nous mettre bagaille dans tête yo. Ça veut dire qui ça? Donc nous gagnons grand coquin chaîne conférence qu'a fait 1er octobre dans Kasika Port de Paix. Côté n'a bien quatre intervenants qui c'est moi-même Pierre John Lee président NSK n'a bien Christina Lawrence n'a bien Daniel Loriston des entrepreneurs et de suite ensuite nous capable bien l'office Chrisley activité ça après distribution côté nous pour faire conférence là basée sur qui ça c'est implication de la jeunesse dans sa communauté donc pense que en tant que jeune en dans pays donc nous pas seulement apprêter tant l'état parce que l'état ne travaille pas nous même en tant que jeune tout nous ne travaille pas nous tout donc pense c'est tout à fait normal, moi-même en tant que président, donc pour nous gommer avec Evla, pour nous venir jusqu'au bout. Professeur Watson Denis Sien m'a dit 25 septembre 2018 là, il y a un nouveau livre qui porte le nom Haïti Caricom à Caraïbes. Professeur Denis expliquait, il écrit livre ça dans l'idée pour permettre population surtout étudiants yo découvrir rapport qui gagne entre Haïti à Caricom et puis Caraïbes là et puis aider à comprendre raison intégration Haïti dans marché commun Caraïbes là. Plusieurs personnalités parmi eux professeur Mirland Maniga a porté plus précision dans le micro Hortelou Marie Dieudonne avec Fresnel Toussaint. Moi-même, en tant que professeur histoire économique et sociale de la Caraïbe, c'est tout un étudiant à demander mes questions. Est-ce qu'il y a un ouvrage sur CARICOM? Est-ce qu'il y a un ouvrage sur Caraïbes? Ou bien qui ça Haïti a fait dans CARICOM? Qui ça Haïti a fait dans qui ça Haïti? Qui est Haïti dans la région Caraïbe? Donc, depuis de ça, ça t'a passé dans la tête moi-même pour me dire nécessité pour moi écrire un ouvrage ça et sur CARICOM. Donc, nous avons pris une décision. Moi, je dit, bon, peut-être faut pas écrire l'ouvrage ça moi-même seulement, faut que moi baille plus possibilité pour gagner plus interprétation. Donc interprétation que nous baille c'est que gagne plusieurs auteurs, c'est un livre qui gagne 16 chapitres là-dedans. C'est auteur haïtien, auteur caraïbéen qui publie là-dedans et majorité texte c'est en français, gagne 14 chapitres qui en français, gagne 2 chapitres, il y en a en anglais, il y en a en espagnol. Et dans l'ouvrage ça nous traiter plusieurs questions, nous traiter question intégration économique, nous traiter question économie politique et nous traiter question relations internationales. Mais il y a une autre question qui traite tout et nous traiter question histoire, nous traiter question linguistique, nous traiter relations qui gagnent entre pays qui gagnent dans la région Caraïbes là. Nous gagnons un problème de CARICOM et je pense que livre ça faut que tu as l'île parce que ce sont des auteurs différents qui collaborer la dernière pour c'est pour nous faire plus de promotion par exemple nous mêmes journalistes promotion pour livre ça pour que haïtiens yo connaissent sa caricomier et moi crois que professeur Watson Denis moi crois que le fait déjà des interviews avec nous privées sur livre là pour que nous apprendre sa caricomier d'abord mieux connaître premièrement deuxièmement mieux connaître la caricom. Deuxièmement, mieux connaître les règles de l'intégration. Car les règles de l'intégration, ce n'est pas règles pour observer ou si on a un accord commercial avec un autre pays. Il y a des règles. Troisièmement, mettez l'ordre de la caïnon de façon à ce que nous sommes capables de mieux profiter du fait que nous intégrer dans
la CARICOM. Madame, monsieur, nous avons pris une dernière pause dans le journal. À l'étranger, le président français Emmanuel Macron a mené une visite qui a duré 4 jours dans le département Outre-mer. Jeudi 27 septembre, Emmanuel Macron est déjà arrivé dans Martinique. Nous suivons. Ça a été une année depuis le président français Emmanuel Macron réalisé une visite dans Saint-Martin et Saint-Barthes après passage ouragan Irma qui était dévasté quelques côtés dans les Caraïbes. Le week-end, ça doit retourner dans la zone pour garder avancer qui fait dans la reconstruction. Il était voulu qu'il soit un exemple, mais qui était partiel juste pour qu'on y ait. Président Macron accompagné avec ministre Santé Agnès Buzyn a bien pour le parler tout sous chlordécone. Il y a un pesticide qui est interdit depuis plus de 40 l'année dans le pays États-Unis, mais utilisé dans la plantation outre-mer jusqu'à dans l'année 1993. Et considéré comme cancérigène. Et une substance qui t'a contaminé 9 moun sous 10 dans Antillo, d'après l'Agence Santé publique France, qui t'a responsable explosion cancer prostate dans la région. Ses premiers déplacements Emmanuel Macron en tant que chef de l'État dans le pays Martinique. Premier rendez-vous a été annulé à cause de tempête Kirk qui a avancé sous Iléa pour qu'on y ait placé sous vigilance orange. Tempête Satado est marché avec vent qui a soufflé à plus passer 110 km. Vendredi 28 septembre, Emmanuel Macron a dans le pays Guadeloupe pour parler sous difficulté Guadeloupéen à rencontrer pour alimenter à l'eau potable. Et puis, président américain Donald Trump pas écarté possibilité pour ta changer décision sous nomination juge Brett Kavanaugh dans la Cour suprême après audition devant Sénat jeudi 27 septembre. Trois femmes accusées Brett Kavanaugh comme quoi il était agressé sexuellement dans l'époque yoté l'école. Christine Blasey Ford, c'est une madame Sayo qui témoignait devant Sénat jeudi 27 septembre. Julie Sweetnick, un fonctionnaire fédéral qui déclare lui-même tout Brett Kavanaugh te agressé remet Sénat une déclaration côté raconté sous serment juge Brett Kavanaugh te présent dans fête lycée côté te victime yon viol collectif. Sénateur doit voter vendredi 27 septembre pour confirmer Brett Kavanaugh un juge fédéral américain cap siégé dans la cour appel États-Unis district Columbia. Président de la République, là, Jovenel Moïse prend la parole jeudi 27 septembre dans la 73e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Chef l'État haïtien renouvelé engagement devant peuple haïtien et la communauté internationale là pour continuer à lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. Autorité aéroportuaire nationale AAN en tête collée avec l'Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire avec BLTS organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ministère commerce et industrie a organisé 2 journées formation jeudi 27 et vendredi 28 septembre sous gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier programme appui pour entrepreneuriat jeunesse PAPEJ. Activité ça rentrée dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour l'accompagner jeunes. Nouveau directeur général administration générale douane Ronel Bell annoncé jeudi à un ensemble mesures pour combattre phénomène contrebande dans le pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, président américain Donald Trump a écarté possibilité pour le changer position sous nomination juge Brett Kavanaugh dans la Cour suprême après audition devant Sénat jeudi 27 septembre. Trois américaines accusées juge là comme quoi il t'a agressé sexuellement dans le moment yo t'es l'école. Madame, monsieur, c'est point ça avec un pilote d'information qui a développé dans le journal Assoya. Merci à vous-même qui t'a prêté attention. Merci à tout le monde qui rend le journal ça possible. Nous souhaitons passer une très bonne soirée en compagnie de Télévision Nationale d'Haïti, chaîne 8.